Antoine Chessex, vous présentez pour Présence électronique une performance live autour du saxophone ténor et l'électronique. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce projet? Oui, alors c'est un projet de performance que je développe depuis une dizaine d'années à peu près, où je joue effectivement du saxophone ténor, mais le signal acoustique est envoyé dans une série de pédales d'effet analogiques de guitare. Et donc le signal du saxophone est transformé par l'électricité et résulte en des couches électriques, électrifiées, des masses sonores amplifiées. Toujours en ayant le saxophone comme source, mais le signal, le son du saxophone n'est plus reconnaissable vu qu'il est traité par des effets. Est-ce que c'est une improvisation? Bon, la question de l'improvisation serait à définir. Je ne crois pas vraiment à l'improvisation. C'est-à-dire, je suis pas sûr que ça existe vraiment vu qu'on est toujours influencé par ce qu'on aime, ce qu'on écoute, notre parcours, on est construit par ces éléments-là. Mais dans le cas précis, je pense que il y a une structure, on va dire une narration que j'emploie pour le déroulement de la performance. Quelle sera la forme de la pièce ce soir? Comment travaillez-vous la narration? Bah, la pièce se base, on va dire, sur des longues textures microtonales. Je travaille aussi beaucoup sur les accumulations de textures. Et donc c'est, on va dire, une progression sur une vingtaine de minutes de textures électriques qui s'accumulent et qui s'intensifient et qui je travaille un peu sur les masses sonores en fait. Et la dramaturgie est assez simple, c'est en fait un développement continu d'accumulation sur une vingtaine de minutes. Et bien, outre le saxophone, j'ai donc un micro qui est dans l'instrument et qui est envoyé dans une série d'effets, à savoir j'ai un octaveur pour avoir des fréquences basses, une pédale de distorsion et un looper à caille qui permet les accumulations. Et voilà, une pédale de volume aussi même.